Est-ce que ça tourne? J'ai bien conçu un chrono accélérateur, alors pourquoi je n'y arriverai pas? Message à tous les agents d'Over. Message à tous les agents d'Overwatch. Oh, pas très naturel. Message à tous les anciens agents d'Overwatch. C'est moi, Winston. Manifestement. Il y a 30 ans, les Omniacs déclaraient la guerre. Les nations du monde étaient impuissantes, jusqu'à ce qu'elles mettent sur pied un petit groupe de héros. Overwatch vit le jour pour sauver l'humanité de la crise des Omniums. Nous sommes alors devenus les plus grands défenseurs de la paix et du progrès que l'humanité ait jamais connu. Vous avez été choisis, car vous aviez des pouvoirs et des aptitudes qui vous rendaient. Vous nous avez rejoints, car vous étiez... Mais vous savez déjà tout ça. Écoutez, l'opinion a considéré qu'il valait mieux se passer de nos services. On nous a même qualifiés de criminels. Ça a totalement pulvérisé notre famille. Mais regardez autour de vous. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons passer à l'action. Nous pouvons influer sur le cours des choses. Le monde a besoin que nous l'aidions, plus que jamais. Vous vous joignez à moi? Bonjour et bienvenue pour la découverte de Overwatch qui vient de passer en bêta ouverte. Et donc du coup, bon, pour toute la cinématique, vous m'avez vu sur le côté, ça vous a peut-être gêné. Attendez, on va baisser le son. On va faire le didacticiel quand même. Enfin, le didacticiel, alors j'aimerais juste changer, baisser le son. Donc du coup, on se retrouve sur la bêta ouverte d'Overwatch. Ah tiens, on a des gens qui j'ai des amis qui sont en train d'y jouer aussi. Donc là on va essayer Overwatch, donc on va avoir la petite scène d'intro. Donc on découvre, je découvre en même temps que vous. Bonjour soldat 76, je suis Athéna. Je vais vous guider tout au long du programme d'entraînement au combat d'Overwatch. Donc j'espère que ça va aller. Attendez-moi ! Ah Tracer. Wow, les FPS ont un peu du mal. Salut, ici Tracer. Commençons. Utilisez vos commandes pour suivre okay. Tracer du regard pendant qu'elle se déplace dans la pièce. Alors on va changer quelques options, on va déjà baisser le son. Par ici ! Oui, attends Tracer. Hop. Oui, ça c'est bon. Commande, est-ce que je peux augmenter la sensibilité un peu quand même ? On va essayer. Veuillez chercher Tracer. Excellent. Maintenant, observez Tracer courir jusqu'au centre de la pièce. Ok. Ah, attendez, je fais juste une pause pour changer peut-être un truc parce que. Nouveau retour, je crois que c'est bon là au niveau des espèces et ira mieux. Voilà. Vous pouvez aussi aller à droite ou à gauche. Oui. Est-ce que je fais. Non. Tracer pendant qu'elle se déplace dans le hangar. Allez, vas-y, montre-moi, c'est bon. Donc, vous avez vu ma sale tête pendant toute la cinématique parce que j'ai oublié d'enlever la caméra. Continuez à suivre Tracer. Oui, bon, c'est bon, on a compris. Excellent. Tracer qui est quand même vachement classe. Est passé dans l'autre pièce. Ah. Donc allez. Bienvenue dans la zone de tir. Avancez jusqu'à la zone en surbrillance. Ok. Donc pour présenter un peu Overwatch, c'est un FPS un peu en MOBA. Enfin totalement en MOBA. À côté sont indiqués vos points de vie actuels. Si Athéna. Vous mourrez. Athéna. Votre arme principale est votre fusil à impulsion. Je vais vous fournir une cible. Oh oui, fournis-moi une cible. Ajustez votre tir grâce au viseur au centre de votre. Oh là là là. Placez-le sur le robot d'entrée. Meurs. Bien joué. Vous pouvez aussi frapper comment une cible avec une attaque en mêlée. F. Approchez-vous du robot d'entrée. V. Puis frappez-le avec V. On va changer ça après. Sur le terrain, les ennemis seront peut-être plus difficiles à atteindre que cette cible.
Je vais maintenant vous présenter un défi plus intéressant à relever. Comme ces robots d'entraînement, les ennemis sont indiqués par un compteur. Blesser un ennemi fera apparaître ses points de vie. D'accord. Alors les sangs en flamme, c'est quoi? C'est pour tout ce qui est... Je peux viser? Non, je peux pas. La plupart des armes tirent un nombre limité de munitions avant d'avoir besoin d'être rechargées. Bon travail. Tac, on est plus... C'est sympa. Sympa. Nous allons maintenant passer en revue vos capacités. Oui. Allez. Commençons avec Sprint. Quand vous avancez, vous pouvez activer Sprint pour courir plus vite. Ok. Essayez. Non seulement vous pouvez sprinter... Mais vous pouvez également vous soigner avec champ biotique. Allez, comment? Pour illustrer cela, je vais devoir vous blesser légèrement. On dirait Portal. Maintenant, déployez un champ biotique. Des soins vous seront prodigués okay. tant que vous resterez dans la zone lumineuse. D'accord, ça je vais changer, j'ai pareil les mettre sur les 1, 2, 3, 4. Pour l'instant, avant d'utiliser de nouveau ses capacités. Pour sprint. Le temps de recharge est affiché sur l'icône de la capacité. Ok, d'accord, c'est bien. Votre fusil est également équipé de roquettes LX. Et c'est quoi LX ? Vous pouvez lancer une salve de roquettes dans la direction visée. Quand les roquettes explosent, elles infligent des dégâts aux ennemis proches. Oui, ça je pouvais m'en douter. Essayez-les sur les cibles. Tirez vos roquettes LX sur les cibles. Ah oui, c'est des gros dégâts de zone. Laissez-moi vous expliquer en quoi consiste votre capacité ultime visière tactique. Cette puissante capacité peut changer le cours d'une partie. Donc ça c'est ultime. Mais il faut d'abord la charger complètement avant de pouvoir l'utiliser. D'accord. Votre niveau de charge actuel est affiché ici, en bas de votre écran. Ok. Chargez votre visière tactique en infligeant des dégâts au robot d'entraînement. Ok, c'est parti. Non ça va, c'est pas... la zone d'explosion n'est pas si grande que ça au final. Donc ouais, à mon avis, les... Je pense que les trucs des flammes... Oh, c'est bon, depuis un petit moment. Et donc c'est A. Il faudra vraiment changer ça. De sorte qu'ils ne manquent jamais leur cible. Maintenant, activez visière tactique et détruisez les robots d'entraînement. Tu es dans ma ligne de mire. Ah oui, d'accord, ça marchait comme ça, c'est vrai. C'est vrai que ça dirigeait en fait les tirs. C'est vrai que c'était ouais. J'avais oublié comment il marchait cette ulti, puisque j'avais déjà vu en vidéo. Allez, comment est-ce qu'on fait ça? Oups, pardon. Allez. Hop. L'objectif est clairement délimité par un contour lumineux au sol. Pour le capturer, en tant que vous restez dans la zone, la capture de l'objectif progresse. Votre progression actuelle est affichée ici, sur votre écran. Lorsque les ennemis se trouvent... Que ça explose, ça ? La progression de la capture s'interrompt. La progression de la capture se met en place. On peut faire des dégâts. Hop. Vous pouvez maintenant faire une partie d'entraînement contre l'IA. Rejouer le didacticiel ou affronter d'autres joueurs. Bah c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire, on va faire une partie contre l'IA pour s'entraîner d'abord. Non c'est bon, bon merci. Donc du coup je vais juste changer mes options et je vous retrouve après. Donc c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc on va faire une partie rapide contre l'IA. Moyen. Allez. On n'est pas des petites bites. Et donc du coup. Alors évidemment, la spécialité de Overwatch c'est que ces cartes sont vraiment sympas. Et donc on a la disponibilité de tous les persos. Et moi celui qui me tentait plus tôt, c'était lui. Reinhardt. Sauf qu'il y a quelqu'un qui semble le prendre. On va peut-être prendre un truc de soutien alors. Non, j'aime bien de prendre Reinhardt moi. Ok, d'accord, par contre c'est ça, ok. Ah, c'est ça. Et l'autre, je fais quoi? C'est un passif? Non, c'est ça, ok, ouais. Putain, cette voix, on dirait Brome. On a vu, c'est le doubleur de Brome. Il est tellement classe, Renner, par contre. Hop.
Alors pourquoi mon A part pas? Parce que je ne clique pas sur A, bien sûr. Là, j'ai été eu. J'ai pas fait attention à ma vie, par contre, en fait. Non, moi, je reviens avec Reinhardt. J'aime bien Reinhardt. C'est sympa. Ah, on a perdu, ok. Donc, ok, j'ai rejoint une partie en cours. Bon, bah, ça montre un peu le système pour l'instant, comment il marche. Et donc, on a perdu contre l'IA. Ok, d'accord. C'est assez sympa. Qu'est-ce qu'il a fait comme action? Ça va, l'IA a l'air assez intelligente quand même. Ah non, ça c'est un mec de notre côté qui a fait ça, ok. Ah d'accord, ok. Donc, bah, quitter la partie. Oui, puisque... jouer. Donc Overwatch va être payant. Ok. Donc allez, donc j'espère tomber sur une partie qui va être créée. Pour pouvoir m'entraîner un peu et vous montrer un peu plus que ce qu'on a vu pour l'instant. Donc bon, bah apparemment de ce que je vois, c'est que le jeu va être payant. C'est-à-dire vous l'achetez une fois et il va être... et c'est bon, vous l'aurez. Il n'y aura pas d'abonnement dans un principe. Ok, il y a des kits de soins. Donc de nouveau sur la même carte. Ouais, non, on va partir... On va repartir sur Reinhardt. Reinhardt... Oh, c'est bon. Je suis content comme ça. Et donc, Overwatch est un FPS MOBA. Ça ressemble un peu à du Smite, mais fait par Blizzard. J'ai pas de truc vraiment comparatif. Peu de héros défensifs, aucun constructeur, aucun héros de soutien. Faut s'y attendre. F1. Ok. Ah, dans la gloire du combat. Je crois vraiment que c'est le doubleur de Frostmourne. Ok. Là, on doit se préparer. Ils vont venir par ici. Ok. Les attaquants arrivent dans 30 secondes. Ok, donc en gros, les. Ok, c'est sympa. Dommage que. Est-ce que c'est possible d'avoir une vue, à votre avis, éloigné du personnage? À mon avis, ça doit être possible. Donc on doit défendre ça. Est-ce que... Ah oui, c'est le gantelet qu'on voit dans la cinématique, ça. La cinématique d'intro du jeu. Donc nous on a ça, qui a 2000 points de vie. Ok, c'est parti. Ok, donc eux ils se mettent juste en position quoi et... Ah ouais, ça charge mon truc. Ah ouais, faut que je le charge moi. Merde, ouais. J'ai pas l'habitude de... Hop. Hop, tué. On va se rapprocher comme ça, discrètement. Voilà, c'est bon, on a survécu. On va se soigner en prenant le kit qu'on avait vu. Hop. Voilà qui est mieux. Donc on va charger notre ulti. En restant avec le bouclier. Ça c'est pratique par contre. Il est classe quand même son... J'adore son armure. Je trouve que c'est un personnage qui est classe. Allez, on va avancer un peu. Ah ouais, c'est puissant. C'est plutôt puissant. Aïe. Ah non, il y a quelqu'un qui est en train de le capturer là. Ok, qu'est-ce qu'ils faisaient les autres? Je me suis fait... On m'a...
Je reviens et j'ai mon ulti. On va pouvoir le tester un peu, ça a l'air sympa. Donc évidemment, comme le jeu est assez récent, je pense que y a des personnes qui doivent avoir du mal encore. Moi aussi, je pense que... Là, vous allez voir, enfin, comme vous avez pu le voir. À un moment, j'ai cliqué sur l'attaque au corps à corps, sauf que ça n'a pas marché parce qu'évidemment, ben, en fait, Reyna... J'adore cet accent russe. Et là... Ah, j'ai du mal hein. Allez, reviens en arrière. Ouais, non, c'est la voix de Brome hein, c'est bien ce qui me semble. Allez, on doit tenir encore un peu. Alors moi je pense que dans le jeu, je vais principalement jouer des tanks. Ouais, elle fait de gros dégâts. Allez, voilà. Allez, on y croit, c'est faisable. Bon pied, bon oeil. Donc évidemment, lui, il a une arme qui n'a pas de munitions parce que c'est un marteau. Donc pas de munitions. Donc on va pour se déplacer un peu plus rapidement. Mais allez, vas-y papy, tu peux le faire. Est-ce qu'on a perdu de la vie? Non, ça va. J'ai l'impression que les chutes ne sont pas mortelles. Ouais, je pense que la capacité 1... Ah, c'est auto-guidé, on dirait. Raté. Hop, on va essayer de s'en sortir. Ah, il m'a eu. Il m'a eu, j'ai été séparé des autres et il m'a eu. Il m'a eu. J'ai pas eu le temps d'utiliser ma capacité héroïque. Donc est-ce que le niveau fait... Ah d'accord, il y en a qui quittent comme ça. Alors qu'on tenait jusqu'à là plutôt bien. Heureusement, évidemment, ça se remplace assez vite. Donc là, il avance. Et il avance vite. Donc, vite. J'essaie d'aider comme je peux, mais bon. C'est quoi, on va changer de héros et on va prendre un héros qui va faire du dégât. On va essayer Tresseur. Allez. Hello, monsieur. La cavalerie est arrivée. Ouais. Et donc c'est A pour revenir en arrière, c'est ça? Ouais, ok. Bon, c'est bien ça. On en était où? Ça. Ah, c'est le flas. Ok. Et après, d'accord. Hop. Ouais, j'aurai du mal s'il y a personne qui va m'aider. Oula. Je suis comme je peux. Ok, donc non, mais j'arrive à le tenir. Oh là là.
Ah, c'est compliqué. On va aller chercher la vie. Pareil, la doubleuse, c'est la doubleuse, c'est la doubleuse qui fait la voix de Tracer. Ah, y a personne évidemment qui a de la vie. Ah, si. Tac, c'est bon. Ah, ça avance. Hop, évidemment, ça on essaie de faire en sorte que ça vaille le coup. Ah, j'ai pas réussi, mais au moins j'ai fait du dégât. Allez, on y est presque. Alors là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai oublié que Tracer quand même a pas beaucoup de vie. Alors Tracer est super sympa à jouer, hein. Franchement. C'est du POC, mais... On arrive à le faire reculer, ça va. La sérénité Alors j'aime bien Tracer parce que c'est vraiment dans un fait pour esquiver les attaques. Le fait pour esquiver est quand même vachement pratique. Tu es dans ma ligne de mire. Alors évidemment j'essaie d'avancer un peu pour aller à la rencontre et les ralentir. Mais bon, ça a l'air de se passer là-bas. Hop. Non, franchement Tracer sympa. Faut bien profiter de tous ces. De tous les avantages qu'elle donne. Hop. Et on a gagné. On a gagné une partie. Je pense qu'on va faire. On va s'en faire une petite encore et on va changer de personnage. Alors comme vous voyez, on n'a pas eu beaucoup non plus de support. Ah, c'est elle. Qui est un des derniers personnages qui a été ajouté au jeu si je me souviens bien. Ah oui, elle a fait l'autodestruction. Ouais, ça c'est le truc qui peut changer vraiment le cours de la partie, c'est son ulti à... C'est pas son ulti, je veux dire, c'est son... Bon, on n'est pas dans les... On est dans aucun des tops. Mais bon, c'est pas grave. On est là pour... Ah, on a un butin. Alors qu'est-ce que c'est? Je découvre. Ouvrir un coffre. Attention. Activer, c'est-à-dire que je peux la voir. Ok. Ok. Ok, bon bah d'accord, on gagne des trucs quand on gagne. Jouer. Alors, je préfère une partie rapide contre l'IA en normal, encore une fois. C'est un épisode un peu plus long que la plupart. Anamura. Et donc du coup on va essayer bah, justement l'autre. On va prendre ça. Elle, parce que je la trouve assez sympathique. L'union. Ah attends, c'est A, c'est ça? Ah, c'est un bouclier. Ok. Alors j'aime bien parce qu'elle est ruse. Alors ça qui augmente ses dégâts, je crois, peu à peu. Donc évidemment, on doit recharger. Ok. Le combat commence dans 30 secondes. Donc c'est A. C'est vraiment la ruse du groupe que j'aime bien, en plus elle est... Genre c'est pas forcément une femme qui est très jolie, mais c'est une femme qui est costaud, qui a l'air forte, donc j'aime bien. Ça me fait plaisir, moi j'aime bien les personnages qui ont l'air costauds là.
Et en plus j'ai eu un petit skin dessus donc. Donc Overwatch sera peut-être un jeu que j'achèterai. Et donc là c'est de la capture de points. 1, c'est parti. Ok, donc ça active un bouclier en plus. Évidemment, on va protéger notre allié. Hop, un bouclier sur. Hop. C'est bon, on capture, on va recharger. Allez. Hop. On doit attaquer l'objectif B maintenant. Qui est là-bas? Qui est là-bas? Donc, faut que je me souvienne. Mage gauche, c'est le bouclier pour nous. A, c'est le bouclier pour un allié. Donc, évidemment, on va essayer de protéger qui on peut. Et donc. Ok, on a l'attaque au corps à corps. C'est ça le bouclier sur nous. Ouais, cette attaque là est tellement classe. Ah par contre c'est des victoires très rapides. Ah oui. Ah oui, d'accord. Donc vous voyez moi j'aime bien cette... Ok. Pareil lui je trouve assez classe. Je trouve que les personnages assez bien pensés dans ce jeu. Ah oui là c'est la fin quand il va claquer son ulti. Non même pas. C'est un truc où il a enchaîné les kills. Ok. Ok, bah donc on va s'arrêter pour cette petite découverte et on va. Je vous en montre. Je pense que je vais en faire pas mal ces temps-ci pour profiter du fait que ce soit ouvert pour l'instant avant d'acheter le jeu. Pour vous montrer un peu plus de tout ça. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour suivre tout ce que je fais. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres jeux vidéo ou pour d'autres jeux. Donc, à plus tous !